Re-YouTube. Peut-être qu'un jour je déciderai de les mettre. En vrai, c'est peut-être possible. Vu qu'on l'a fait en 8 fois, enfin en 8 séries, c'est peut-être possible qu'un jour tu les vois. J'y réfléchis. Je pense que les Pokémon, je les mettrai jamais. Parce que du coup, c'est relativement chiant. Mais par contre, je pense que Metroid, c'est pas mal. Ça faisait que 10 heures, donc ça va faire 10 épisodes d'une heure, à peu près. Sauf quand j'ai Hit. Mais sinon, en vrai, sûrement peut-être que je vais les mettre. Ça peut se faire. Donc là, on finit, on va voir le grand méchant et on va galérer. Le grand méchant qui me surveillait de là-haut. On va comprendre pourquoi il a fait tout ça. Ou pas. Ben merci. Hein. Je sais que c'est un boss qui est assez relou, donc je sais qu'on va crever. Ah, c'était là où il me surveillait. Il y a ma tronche et tout. Ah ben ça j'ai compris. Donc y a rien ici, y a rien à récupérer. Que la difficulté et de la tristesse. Ah, merci. Ah si, ça y est, on peut sauvegarder. Donc on sauvegarde et on régène à côté. Comme ça au moins, on va pouvoir crever en boucle. Merci. Le game designer, merci à lui. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Tomber là? Ah ben voilà. On a trouvé l'astuce. Tout pété. J'aurais presque envie de sauvegarder encore. Au secours. Non. Envoie des données. Il semble que ton ADN de Metroid t'ait changé en Metroid. D'ordinaire, cela aurait dû se produire immédiatement après le transfert d'ADN. Ok. Tes gènes Toa ont dû ralentir le processus. C'était la seule tribu capable de contrôler les Metroïdes. Ok. Bon là c'est un truc par contre que je maîtrise pas. Bien que tu possèdes leur ADN, tu n'es pas une Toa. Tes prouesses physiques semblent indiquer que tu possèdes également de l'ADN Maokim. Or, les Metroïdes sont programmés pour identifier les Maokim comme des ennemis. J'en déduis que ta métamorphose s'est probablement produite en réponse à l'attaque de Bec de Corbeau. Sa présence a réveillé l'instinct meurtrier des Metroïdes. Du coup, je suis un Metroïde, je suis un Maokin, et je suis un autre truc. Ta métamorphose s'est alors accélérée. Elle ne peut plus être contrôlée. Tu es désormais une Metroïde, Samus Aran. Ton existence même constitue une sérieuse menace pour la galaxie. Cependant, il n'y a rien à craindre. Tu peux toujours contribuer à la paix galactique. Il te suffit d'utiliser tes nouveaux pouvoirs correctement. Oh! Tu as suivi mes instructions à la lettre jusqu'à présent. Continue ainsi. C'est aussi simple que cela. Je suis très satisfait de ta performance sur ZDR. Comme je l'espérais, elle a éveillé tes pouvoirs métroïdes. J'ai bien fait de t'épargner lors de notre première rencontre. J'ai tout de suite vu ton potentiel. Soumets-toi et offre-moi ton pouvoir. Moi seul peux établir l'ordre dans la galaxie. J'étais sûr qu'il allait me niquer. Samus, c'est un ordre. Je ne tolérerai aucune désobéissance. J'étais sûr que c'était lui.
c'est sa fille. Oh, je comprends plus rien, moi. Ah, mais c'est le dernier, donc c'est sa fille, c'est pour ça. Oh, je comprends plus rien. Et je suis métroïde en même temps. Ok. Alors là, je vais crever, hein. Tu veux pas te faire foutre? Qu'est-ce qu'il fait, Dragon Ball, là? Bon, je comprends rien, hein. En fait, j'essaye de voir parce que j'ai l'impression que j'y fais rien. Ah! Let's go. Oh oui. J'essaie de comprendre un peu comment ça marche parce que. Ok, j'ai rien compris. J'ai rien pigé. Peut-être qu'il faut envoyer des salves de missiles comme on avait, montré là. Comme d'ailleurs Elwarion m'a montré. C'est peut-être ça l'astuce. En tout cas là, j'ai rien pigé. Je vais essayer de faire autre chose là. En fait, il a une espèce de d'aura autour de lui, je pense que ça le protège. Merde! Laissez. Je suis un connard! Je suis nul à chier. C'est pas très bien passé. C'est pas très bien passé. En fait, j'avais juste à pas le rater là. Quoi ça? Attaque 2? Là il va juste me bolosser. Qu'est-ce qu'il fout Dragon Ball? Mais c'est abusé ça, pourquoi il... Ah d'accord, j'ai reconnu ça. Il m'a baisé. Ah, je peux pas crever. Bon, faut pas que je me rate, après je passe en phase 2 du coup. Et ensuite là il m'a tunt. Est-ce que c'est là où il faut le chercher? Je sais pas. Non non, il prend les dégâts, ok. Bon, j'aime ça la démission. Quel con, je suis vraiment un gros con. Je l'ai vu me foncer dessus et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi d'aller me faire foutre. Non! C'est une grosse connerie! Oh, j'ai perdu la moitié de ma vie. Pour des énormes merdes. Mais non, mais arrête, mais t'es nul à chier. Oh, c'est terrible.
Moi, j'aurais voulu réussir, j'aurais pas réussi. Et je croyais qu'il allait aller en l'air. Ah là, c'est bon, c'est ça là. Ah, j'arrive pas. Bien ces patterns, j'ai fait deux conneries énormes. Tant que je connais pas bien le perso, je pense que je vais faire que des conneries. Bon, au moins ça va vite pour passer en phase 2 là. Enfin, phase 2, je sais pas, c'est une phase 2. Vu qu'il y a les mêmes techniques, je pense pas. Hein. Là c'est Kamehameha. C'est fait, c'est Genkidama. Là c'est vers le haut. Là il va me taper dessus. Ça je sais pas comment ça s'enlève mais... Là c'est Genkidama. Ok. Quoi mais je me suis baissé. Oh c'est dégueulasse ça. Bon, moi je me suis amélioré. Fais-moi les mêmes conneries. J'ai appuyé. Ça n'a pas bougé. Ça, j'arrive pas à l'esquiver. Une fois j'ai réussi, mais après, c'est tout. Je suis pas content que t'aies, désolé mais... Quoi? Oh c'est nouveau toi. Moi je tire hein. Ah la foutre hein. Allez, il va me foncer dessus non? Un peu. Il m'a baisé le cobou là. En fait, c'est ça qui m'a baisé, c'est que là, le double saut, moi, j'y arrive pas, quoi. C'est mon gros problème, quoi. Le double saut, là, c'est... Je dois avoir une technique, hein, c'est pas celle-là. J'ai envie de hurler à la mort. J'ai envie de hurler. Et là j'ai esquivé la technique, hein. J'ai esquivé. Hein. Et là il prend des dégâts là quand il est en jaune. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'il prend pas de dégâts. En fait c'est ça, c'est qu'il bouge pas, t'as l'impression qu'il reçoit aucun dégât quoi. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Oh ça commence à me casser. Ce qui est gonflant c'est qu'en fait je suis baisé à chaque fois là. Il veut pas le tuer ça. Voilà 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 il saute pas.
ok. Ah, c'est peut-être contrable ça. Salut. Mais putain, mais explose là, casse pas les couilles. Il veut vraiment que je le tue comme ça? Mais demain je suis encore là. Je l'ai explosé. C'est bon, phase 2, 3, je sais pas. Prochaine phase. Oula. Oui, il a un bras aussi explosif, lui. Quelle vie super! Quelle vie super! Quel jeu merveilleux. T'imagines en version je sais pas quoi là, celle qu'ils ont sorti là, Terreur. Dès qu'il touche, c'est mort. Je sais même pas comment enlever les boules là. Ça te casse ça ou pas? Là j'ai perdu plein de vie pour rien là. Oh! J'ai fait ça en l'air. Ah il va le prendre à la gueule hein. Je vais y mettre dans le cul. Oh, il est dans les dents. Let's go. Ah, pour moi, c'est en tirant dedans, mais bon. Faut croire que vaut mieux le mettre dans la gueule. Ça marche mieux. C'est vrai qu'il y a ça là. Ah, il va venir. Viens, je t'attends, moi. Viens, je t'attends, viens. Oula, viens pas. Viens, dans les dents, passe dans les dents, let's go. Ah, j'ai pris un coup, mais ça va. Mais tu vas me tirer dessus longtemps, là?
Ah mais j'avais plus d'énergie. Jeu de merde. Bah s'il te plaît. C'est bon, je crois que j'ai trouvé pour la boule. Faut lui renvoyer sur la gueule, ce qui fait que ça lui renvoie. Sinon, je pense que si je tire une boule plus grosse, je vais essayer de voir si ça la renvoie ou si ça l'arrête. Donc je pense que pour la boule, c'est bon. Ah ouais? Pourtant, ça l'avait fait. On va essayer un nouveau truc. En vrai, les phases à terre, ça passe vite là. J'ai l'impression que ça passe plus vite que tout à l'heure. Sans prendre trop de dégâts. On va passer sur la phase aérienne là, qui a l'air merdique à souhait. Le canon c'est esquivable, faut qu'il bloque, faut passer derrière. Ensuite, quand il plonge, c'est ok. Par contre, ce qui pose problème, c'est la sulfateuse là. Parce que du coup, il faudrait peut-être que je démarre tout à gauche et que j'aille à droite. Peut-être c'est ça le truc. Vas-y. Hein. J'ai enlevé mes lunettes parce que. Je me suis dit non, ça sert à rien. Tout à l'heure, j'ai réussi à la péter parce que j'avais tellement tiré dessus qu'elle avait explosé. Il démarre comme ça, ce con. Bah, super. Ok. Oh, j'avais presque réussi à y foutre dans la gueule. Kamehameha. Ok, c'est bon, faut le bourriner là. Alors ça par contre, je sais pas comment faire non plus. Je pense qu'il faut... Mais oh, putain. Pas d'insulte. Passe pas comme ça. Ah, peut-être en baissant là. Ah, ça marche pas en baissant, faut sauter. Faut sauter, je pense. Ça. Mais putain, mais c'est pas croyable de me casser autant les couilles là. Allez, passe à la phase suivante s'il te plaît. Non, allez, passe à la phase suivante, allez s'il te plaît. Ah, je suis mort là. Ah putain, c'est deux fois, il m'a baisé la gueule quand il fait l'aigle là. Putain, ça passe pas.
Merveilleux. Let's go. On va le défoncer là. En tout cas, celle-là, je l'ai comprise. Ok, ça j'ai compris. Ça c'est pigé. Maintenant, c'est ça que j'ai rien compris. Ah, ah ben là, là, j'ai pris la douille. Hein. Je me suis baissé, mais ça marche pas. Le problème, c'est que je peux pas aller au plus haut puits parce qu'il est déjà très haut, quoi. Ah ben si, c'est comme ça, en fait. Hein. Et du coup, là, si je fais ça... Ben, let's go. Là, c'est derrière. Et ensuite, sinon, c'est au-dessus. Ok, je peux utiliser la stratégie, je pense, de juste rush là. En vrai, là, c'est peut-être mieux. Hein. J'ai pas pris trop de dégâts. Il m'a atomisé la gueule. Ah, j'arrive pas à sauter tout le temps. Hein. Ah, c'est vraiment pas un move pour moi le saut. Allez, tu peux crever s'il te plaît. Ok, ça améliore. Voilà. Ah, il veut pas me laisser juste le tuer une fois. Oh, ça a abusé cette tout pâteuse là. Oh, cette phase c'est un délire. Pourquoi elle est si longue? J'ai mal au bras et tout. Attends, je vais enlever ma veste, c'est incroyable ça d'être aussi long. D'avoir une technique, c'est pas possible, faut que j'y tire dessus au missile. C'est pas incroyable ça. Je tire au missile. Allez! Si on voulait bien commencer, là c'est idéal. Voilà, j'ai pris toutes les droites qu'il fallait. Ah
Oh, je fais des trucs avec le move incroyable en l'air, quoi. Oh, je perds la fin. Attends, je tapais comme un vent. Oh. Moi je tape hein. Allez crève. Let's go. Au prêt. Allez, pas faire ça au laser, hein. Ça marche pas, enfin au canon. Ah, faut juste se faire chier en fait, c'est tout. Ah, c'est bien, et puis voilà. Et ça, faut arrêter de faire ça, hein. Ça, faut vraiment arrêter de faire ça. Arrête ça! Ah, c'est pas vrai! Allez, vous pouvez retirer ta mitraillette, c'est incroyable ça. Vous lui retirez sa mitraillette. Arrête ça, ne me faire chier. Allez mes crèves, s'il te plaît là, s'il te plaît mes crèves, casse pas les couilles. Rate ça, il s'arrête jamais de me tirer dessus et moi j'y fonce sur la gueule, hein. Voilà, super merveilleux. Il n'y a pas un moment où je peux essayer de le baiser là. Vous voyez bien que j'ai plus de bras là, ça doit pas être ça. Hein. C'est impossible, ça fait une heure qu'il tape dessus. Ça fait une heure que je le fracasse. Une heure. Ah oh, ben si, c'était ça. Ouais, moi, faut que je fasse une pause là. J'ai plus de bras. Ah mais je suis jamais arrivé à l'escala. Au secours.
Putain, mais fous-moi la paix! C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va respirer 30 secondes. Ça fait 40 minutes qu'on est dessus, à essayer d'y arriver. 40 minutes déjà, qu'on essaye. 40 minutes là, quasiment. Et en fait, faut bourriner comme un con. Il s'étonne pas qu'il y ait des Joy-Con drift comme ça? Oh, j'imagine pas toi qui l'a fait en difficile. Comment il doit être casse-couille. Je sais même pas si tu l'as réussi. Faut que je casse ça, je pense. J'apprenne à le péter à mon avis. Et là j'ai pris deux droites en fait gratuites. Là, je vais recommencer. J'ai pas eu trop de vie pour rien là. Comment on recommence? Ah je vais me laisser tuer. Je vais me laisser tuer. Ça sert à rien que je perde du temps sur un try à la con. C'est déjà assez long comme ça, à chaque fois c'est 5 minutes de combat, donc pas se faire chier. Je dois avoir une tension de 80. Hein. Merci en tout cas El Warrior. Je dis que j'ai géré, tant mieux, mais il n'est pas mort. Bah là, la phase 1 et la phase 2, c'est ok, maintenant on va passer sur la phase 3, je pense. Ce qui est parfaitement logique, d'ailleurs. Bon, j'ai pas perdu grand chose, ça va là. Ok. Je vais niquer ma manette. Hein. J'aurais dû prendre une manette différente pour ce boss là. Ok. Quoi? Mais paf, te mets pas en boucle du con. Va demander de viser.
Oh putain! J'ai pris des coups très cons là. Une fois je l'ai touché et une fois je l'ai pas re-sauté. En fait c'est ça là, mon problème c'est que là moi par exemple là, j'ai raté le saut. En fait je sais pas pourquoi, il y a des doubles sauts que j'arrive pas à faire et du coup c'est comme des cons. Là, par exemple là j'ai pas réussi à faire le double saut et j'ai pris son corps parce qu'il est trop bas. Donc du coup ça c'est un gros problème. Hein. Là je suis mid-life, j'aurais jamais dû être mid-life alors que la scène est propre. Là je l'ai activé, pourquoi ça va marcher, je sais pas. Là par exemple en fait donc, le saut. Là le saut par exemple, vu que je pense que soit il est trop bas. Ça c'est moi qui me rate, mais. Il va sauter. Okay. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que les phases sont extrêmement longues, quoi. Et le pire, c'est quand tu crèves, que t'as fini ta phase 2, bah, t'as bien les boules, en fait. Hein. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. Attends, moi si je recrève encore sans avoir compris la phase 3 là, elles sont bien. En fait la phase 2 elle est trop longue. Soit j'y mets pas assez de dégâts comme il faudrait. Il y a un gros problème au point. Et parfois il me laisse pas trop réfléchir quoi. Genre là. Ok, let's go. Tu vas au rafale de missiles. Ah ouais, ça va plus vite. C'est plus rapide. Le problème, c'est que moi, la rafale de missiles, je sais pas la pratiquer quoi. J'arrive pas à la phase 3, j'y arrive pas. Je respire 2 minutes là. Je respire. Je pense qu'il faudrait que je mange et je ressaye ce soir là parce que. Je pense qu'il faut que. L'information soit acquise dans mon cerveau et que j'arrête d'éclater la manette parce que là. Là, il va y avoir un Joy-Con drift sévère. Peut-être que je brancherai tout à l'heure la manette, là. Et que je dirai avec la manette directement à l'autre pour l'exploser, c'est pas grave. Et que je la referai tout à l'heure, parce que là, j'y arrive pas, là.